on roule à une vitesse maximum de 15 km/h, qui correspond à la vitesse d'un réseau urbain. Et l'objectif, c'est bien évidemment, au fur et à mesure qu'on fait progresser la technologie de cette navette, c'est de faire progresser aussi la vitesse commerciale. C'est une navette qui est bourrée de technologies. On a 8 équipements qu'on appelle donc des lidars, qui sont en fait les yeux de la navette. Hein, c'est des technologies qui sont utilisées sur tous les véhicules autonomes qui sont en train d'être développés actuellement. Il y a également des caméras, hein, qui permettent aussi de filmer les utilisateurs et de donner encore un peu plus d'informations à la navette. Les capteurs qui sont à bord de cette navette lui permettent en fait de comprendre son environnement. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'aujourd'hui, la navette n'est pas en libre circulation sur un parcours aléatoire. Hein, il faut l'imaginer sur des rails virtuels. Il y a des carrefours, une signalisation tricolore intelligente. La navette arrive à l'approche d'un carrefour. Il y a une communication entre la navette et l'infrastructure, et les faits par onde radio pour que la navette puisse s'insérer dans la circulation en toute sécurité et en toute fluidité. Et l'objectif après, c'est qu'elle soit en capacité d'identifier des objets qui peuvent être des perturbants. Elle a un obstacle qui apparaît dans son parcours, elle s'arrête. Voilà, c'est la sécurité maximum qu'on souhaite. On est sur un niveau 4 d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volant, pas de pédale, il y a un opérateur à bord. L'opérateur n'est pas là pour faire fonctionner la navette. Il est simplement là pour pallier d'éventuels obstacles que la navette pourrait rencontrer et de s'assurer à ce moment-là de pouvoir les contourner. Parce qu'aujourd'hui, elle ne sait pas contourner elle-même un obstacle qu'elle rencontrera sur son parcours. Après, sur certains croisements, on a fait le choix, pour des raisons de sécurité, de stopper la navette, que l'opérateur ait un contrôle visuel avant de réenclencher la navette en mode autonome. Notre ambition, c'est dans les mois ou dans les prochaines années, hein, de pouvoir supprimer l'opérateur à bord pour avoir un véhicule complètement autonome sur route. Donc ça nous obligera peut-être à remettre encore un peu plus d'intelligence dans l'infrastructure. Il va falloir s'habituer à voir passer cette navette. Là on est sur 3 semaines de retour, les premiers retours sont tout à fait intéressants. En tout cas, quant à l'accueil, les premiers automobilistes.